Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer, te faire découvrir pourquoi la raison numéro un, pourquoi tu perds ta confiance, pourquoi ta confiance est variable, pourquoi à certains moments tu te mets à douter. Tout ça, ça dépend d'où tu vas chercher ta rétroaction. Notre cerveau, il a besoin d'un feedback parce que notre cerveau, en fait, pour des raisons de survie, il veut nous protéger. Donc, à chaque fois qu'il se passe une situation, il y a besoin de déterminer est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon pour être capable de s'améliorer ou de se protéger des menaces ou des dangers dans le futur. Donc, notre cerveau cherche toujours une rétroaction. Et là, ça dépend. Nous, c'est quoi notre habitude? Est-ce que, où est-ce qu'on dirige notre attention? Où est-ce qu'on dirige notre regard? Il y a certaines personnes qui vont avoir tendance à diriger leur regard vers les autres, constamment vers l'extérieur, vers l'environnement, vers ce que pensent les autres. On essaie de faire de la télépathie, on essaie de savoir ce que pensent les autres, ou même on pose des questions, puis on interagit avec les autres pour déterminer ce qui est bon ou ce qui est moins bon. Donc, en tant qu'athlète, par exemple, on va poser la question à nos entraîneurs ou à d'autres personnes autour de nous, est-ce que c'était bon? Est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que je dois faire ensuite? C'est quoi mes objectifs? Donc, c'est d'autres personnes souvent qui vont répondre à cette question-là. On se tourne vers les autres pour obtenir des réponses à nos questions. Et là, à ce moment-là, on va obtenir une rétroaction des autres. On va obtenir une rétroaction de notre entraîneur. On va obtenir des réponses de, de nos coéquipiers, nos coéquipières, nos parents. Le problème avec ça, c'est que les réponses vont être très, très variables et peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Donc, si j'ai un entraîneur qui me dit, oui, ça, c'était bon, ça, c'était moins bon, tu dois travailler là-dessus. Et si je change d'entraîneur à un certain moment, il est possible que mon autre entraîneur me dise autre chose. Il est possible qu'il soit satisfait à certains moments et il est possible qu'il soit insatisfait à certains moments de ma performance, alors que mon entraîneur d'avant aurait pu être satisfait de ma performance. Donc, chacun son cadre. Chaque personne a sa manière d'évaluer les choses, sa manière de voir les choses, sa manière de percevoir, a ses propres objectifs, ses propres buts et sa perspective aussi, son expérience. Et ce qui se passe, c'est que si moi, je tourne constamment mon regard vers les autres pour déterminer ce qui est bon pour moi, c'est là que ma confiance peut être fragilisée. Parce que... Quand je reçois des réponses différentes ou si une personne me dit que c'était moins bon ou que je devrais faire ça ou que je devrais faire autre chose, il est possible que je commence à douter parce que euh, quelqu'un d'autre m'a dit autre chose. Donc là, je suis toujours en train d'aller vers la gauche, vers la droite. Je ne sais pas exactement où m'en aller. Et là, je commence à douter. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était moins bon? Il y a une personne qui me dit que ma performance était super bonne. Il y a quelqu'un d'autre qui me dit que ma performance était moins bonne. Qui est-ce que je dois croire? comment est-ce que je fais pour déterminer, et c'est là qu'on commence à se sentir moins confiant, on commence à douter, on commence à être des fois peut-être découragé, démotivé. Le truc, ce qu'on doit faire, c'est au lieu de diriger notre regard constamment vers l'extérieur et vers les autres, on veut tourner notre regard vers l'intérieur, on veut revenir à l'intérieur de soi et, ce, et revenir aux mêmes questions, mais pour obtenir une rétroaction. On se pose les questions à soi-même au lieu de les poser aux autres. Est-ce que c'était bon? Est-ce que j'ai réussi? Je peux me regarder moi-même et me poser la question. Guylaine, est-ce que c'était bon? Est-ce que j'ai réussi? C'est quoi mon opinion là-dessus? Qu'est-ce que je devrais faire ensuite? Qu'est-ce qui serait mieux pour moi? Quel devrait être mon objectif? Qu'est-ce que j'ai envie d'améliorer? Quand je commence à faire ça, je commence à... En fait, je dois déterminer premièrement mes propres paramètres. Pour être capable de répondre à mes questions, je dois savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je veux, c'est quoi pour moi une bonne performance, c'est quoi pour moi la réussite, c'est quoi pour moi le succès. Donc, au lieu d'utiliser la définition de quelqu'un d'autre, je commence à créer mes propres définitions. Et là, une fois que j'ai établi mes paramètres d'évaluation, ma rétroaction devient plus stable parce que j'évalue ma performance, je détermine mes réponses en fonction de mes propres valeurs, en fonction de ce qui est important pour moi, en fonction de mes besoins. Et là, je commence à stabiliser ma confiance. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on tourne constamment notre regard vers les autres, quand on essaie d'aller chercher des réponses à l'extérieur de nous, quand on essaie d'aller chercher des réponses chez les gens, nos entraîneurs, nos parents, les autres, nos coéquipiers, nos coéquipières, on donne notre pouvoir à d'autres personnes. On perd notre pouvoir. C'est eux qui commencent à décider pour nous. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. Quand on perd du pouvoir, on perd de la confiance, on perd de l'énergie. C'est important de conserver notre pouvoir pour soi. C'est nous qui décident. Et ça, ça ne veut pas dire que l'opinion des autres est jamais importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas recevoir des bons conseils de d'autres personnes. L'important, c'est de choisir les gens qui nous donne des conseils, c'est de choisir de qui est-ce qu'on veut recevoir des réponses à nos questions, de qui est-ce qu'on veut recevoir des conseils. Il y a des personnes de qui ça peut être plus pertinent que d'autres. Il y a des gens qui ont des valeurs extrêmement différentes de nous, qui ont un vécu complètement différent puis qui ont d'autres objectifs. Ces gens-là, ils ne vont peut-être pas nous apporter des réponses qui vont nous permettre d'avancer. Et encore là, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas des fois aller chercher d'autres points de vue qui sont très, très différents du nôtre. Par contre, c'est très important si tu as une tendance à avoir une confiance qui est fragile, c'est très important de d'abord protéger ta confiance. J'en ai parlé dans une vidéo précédente. Protège ta confiance en premier lieu. Assure-toi que ta confiance est stable. Assure-toi que ton système de valeur, ton système d'évaluation est connu de toi. Assure-toi que tu l'as établi une fois que... Tu es solide dans ton identité, dans ta, dans ta direction, dans tes valeurs, dans ce que tu veux, dans tes buts, là, tu peux te permettre d'aller explorer d'autres points de vue, des points de vue qui sont complètement à l'opposé du tien parce que ça ne fragilisera pas ta confiance. Tu vas savoir toi ce que tu veux et tu vas être capable de t'ouvrir à d'autres perspectives sans qu'à chaque fois ça te mette en doute. Mais tant que tu pas rendu là, tant que tes paramètres à toi ne sont pas établis, Prends le temps de choisir les gens de qui tu veux des conseils. Donc, si c'est ton entraîneur, parce que ton entraîneur a des valeurs qui te ressemblent, parce que ton entraîneur, tu sais que quand il, il te parle, il est bienveillant envers toi, ses commentaires sont toujours faits avec bienveillance, tu peux t'ouvrir à ton entraîneur, puis tu peux prendre ses commentaires, prendre ses conseils, puis j'espère que tu peux le faire. J'espère qu'avec ton entraîneur, vous avez des, des valeurs communes. Mais par exemple un coéquipier une coéquipière qui a des buts différents de toi qui se fâche sur le terrain quand il te dit tu aurais dû me faire la passe, bien ton coéquipier peut-être qu'il avait un but différent du tien, peut-être qu'il avait une perspective aussi sur le terrain qui est différente de la tienne. Donc à ce moment-là, qui a raison, qui a tort J'ai fait une vidéo sur Instagram dernièrement qui disait tout le monde a raison parce que ça dépend de notre perspective. C'est important de revenir à toi et de te demander est-ce que j'ai pris la bonne décision et c'est seulement moi qui peux réellement savoir si j'ai pris la bonne décision. Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi et sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching si tu entraîneur et à très bientôt.